Des directives précises pour trouver le bon équilibre entre grâce, fluidité du mouvement et un appui au sol maîtrisé. Ryan transmet à ses stagiaires toute sa passion pour la danse, mais pas seulement. Il leur enseigne la célèbre technique Horton. La technique Horton regroupe toutes les autres techniques fondamentales qui peuvent exister, comme le Graham, le jazz, le contemporain, enfin toutes les techniques possibles. Et en plus, elle rajoute du renforcement musculaire au niveau de la danse. Et elle permet aussi de pouvoir bouger, de s'exprimer en tant que danseur de danse moderne. Voilà. Donc ce n'est pas du contemporain ni du jazz, mais c'est vraiment un regroupement de tout pour faire une seule technique et quelque chose d'assez homogène et de joli. Ryan évolue au sein de la prestigieuse école Ely School à New York. Retourné dans ce conservatoire qu'il a bien connu pour enseigner les bases de la technique Horton, pour lui, une évidence. Les stagiaires apprécient cette méthodologie made in USA, pleine de fougue, où il faut se donner à 100%. Même si il apprend rapidement, mais l'énergie, la manière de danser de Ryan est superbe et j'aime beaucoup son énergie. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et de pouvoir me développer en termes de technique, de pouvoir apprendre des tours, de pouvoir apprendre des sauts. Ça a beaucoup travaillé mon cardio parce que j'en manquais. Et par rapport à cette semaine de stage, j'ai pu beaucoup jouer sur le cardio, essayer d'avancer et de me perfectionner. Je trouve que la technique Horton, c'est quelque chose où je me sens à l'aise, on va dire. Et ça me permet de découvrir de nouvelles techniques aussi pour pouvoir me perfectionner pour plus tard. Et plus de découvertes, surtout. Je me renseigne un maximum et j'aime beaucoup. Je me sens à l'aise. Des moments inoubliables pour ses stagiaires. Ryan fera une escale début janvier à Paris pour transmettre sa passion avant de retourner aux États-Unis dans son école internationale, The Ely School.